Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 5 juin sur l'hippodrome de Mokanchi. Comme le veut la coutume, débriefons du quintet plus de la veille qui se disputait ce mercredi sur l'hippodrome de Laval. Les favoris ont répondu présents, et notamment Calo Renardière, le numéro 5, qui s'impose comme à la parade avec l'aide d'Éric Raffin. La minute quintée s'illustre en donnant le quintet en 6 chevaux, mais pour de dérisoires rapports, malheureusement. Du côté du concours de pronos gratuits, énormément de gagnants lors de cette étape du GNT, finalement assez simple à déchiffrer. Citons les trois premiers du classement du jour, Dranan 29, 24 Pizou ou encore Petit Cœur, qui sauvent tous le quintet dans le désordre. Bravo à tous les trois. Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le tiercé quarté quintet plus du vendredi 5 juin 2020. C'est l'hippodrome de Rouen-Mokanchi qui hébergera le prix Adalberta. Cette quatrième course de la Réunion 1 réunira 14 trotteurs d'âge de qualité n'ayant pas gagné plus de 166 000 euros depuis le début de leur carrière. Sur le parcours des 2850 mètres, sous un ciel pluvieux, les favoris devraient théoriquement s'illustrer. Fidelity, le numéro 7, est une jument de classe ayant les qualités suffisantes pour mettre tout le monde à la raison. Déférer des postérieurs une nouvelle fois, l'avoir triplé la mise ici ne serait pas étonnant. For You Madric, le numéro 3, est un élément de classe entraîné par Jean-Luc Bigeon. Avec une course de rentrée dans les jambes et Éric Raffin aux commandes, c'est la chaleur dans l'entourage. Elena Di Quattro, le numéro 10, a un potentiel fou. Âgée de 6 ans désormais et affûtée pour cette rentrée, elle vise logiquement le podium. Equinox, le numéro 9, visera lui aussi le podium dans un tel lot. Ayant une confiance aveugle en Mathieu Abrivard, son pilote, le tandem doit encore prendre un chèque. Fredo Griff, le numéro 2, adepte des pistes plates, peut faire plaisir à la famille Mottier dans ce lot en étant déféré des 4 pieds. Falco Deripré, déféré des postérieurs d'emblée, aura des fans pour sa cote très amusante pour sa réapparition. En cas de non partant, Holly Water, le numéro 12, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un joli quintet plus et à demain pour une nouvelle minute quintet.